Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite de l'histoire des spécialistes. 7ème épisode du coup, et ça va être avec Recon, mon spécialiste préféré de Black Ops 4. Autant vous dire, c'est un épisode plutôt cool, je pense. D'ailleurs, j'ai pu découvrir en off, entre temps, qu'on avait en fait une biographie pour chacun des spécialistes. Du coup, je vous les lirai, je pense, lors du dernier épisode, le 11e en fait, où je ferai un récapitulatif, où du coup, je vous mettrai tous les enregistrements audio. Et du coup, j'en profiterai aussi pour lire les petites biographies. En gros, ce sera un peu la vidéo équivalente de celle que j'avais fait sur Black Ops 3 à l'époque, sur l'histoire des spécialistes, où du coup, il y aura, voilà, ces petites descriptions, ces petites biographies, ainsi que les fichiers audio du coup qu'on débloque en faisant les différents défis, mais ça je les ai pas encore toutes débloquées. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai pas débloqué beaucoup. Hein. On est parti du coup avec Recon pour ce 7ème épisode. On approche comme gentiment de la fin, et il faut le dire, il faut le préciser. Donc let's go, hein. Si je me rappelle bien, du coup là on va retourner sur Seaside, hein, d'ailleurs au niveau de la map. Encore Seaside. Oh là là. Recon, eh ouais, c'est bien ton nom de code. Où qu'il soit, le détecteur permet de révéler les mouvements des forces ennemies. L'impulsion visuelle révèle la position de l'ennemi, à toi-même et à ton escouade. C'est pratique pour mener une attaque surprise en tenaille. Ton boulot, c'est la reco, c'est la connaissance, donc le pouvoir. Le pouvoir, bon là, t'inquiète, hein, moi je connais par cœur mon petit Recon, hein, c'est quasiment le spécialiste que je prends. Y a que celui-là que je prends quasiment, ouais, sur Black Ops 4, donc bon, pas de soucis. Tout va bien. Grâce à elle que tu peux avoir l'impulsion visuelle. Ah, on commence par l'impulsion visuelle. Les lunettes à impulsion visuelle servent à marquer et à traquer l'ennemi. Ok, ah, par contre... Du coup, pour la partie perso, parce que je vous l'avais dit, on avait découvert ça dans le dernier épisode, que du coup la première classe de la partie perso, c'était la classe que t'avais après pour la petite escarmouche qu'on se fait dans les différents modes. Sauf que là, je sais même plus du coup ce que j'ai fait, parce que j'ai pas créé de classe. Allez, parce que bon, moi je vais en partie perso pour faire les miniatures, et du coup je prends les armes et tout, donc là je sais même pas quelle arme on va avoir. Mystère, mais je crois pas du coup que ce sera à l'HB50 comme pour le dernier épisode. Bref, c'était la petite digression maintenant. Allons-y. Bon. Ça, impulsion visuelle, voilà quoi. Serre-toi de tes lunettes. T'as vu comme ils ont flippé? Ils savent que tu les as. Voilà, ils ont flippé, oui. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Il faut la queue leu-leu. On dirait un. Mon gars. Ah, à la queue leu-leu. On était à la queue leu-leu. Pourquoi j'ai des alliés par contre? Parce que là, ils m'ont tout piqué en plus, les clics. C'est pas cool, les alliés, c'est pas sympa. Regarde la carte et bam. On sait où se cachent les méchants. Ouais, ils sont vraiment très méchants d'ailleurs. T'as plus qu'à préparer un plan. Ah, c'est pour ça que j'ai des alliés. C'est magique. Parce que oui, c'est vrai que c'est collectif quand même les compétences du Recon. Hop. Très joli tir. Oh, merci. On est habitué. L'équipe Confiture de Paix est planquée dans l'église. Confiture de Paix. Oïe, oïe, oïe. Ah voilà, ils sont là, à l'intérieur. Va t'en occuper. Ah oui, mais j'ai pas d'arme là, donnez-moi une arme. Merci, c'est sympa. Pourquoi on a un viseur Recon par contre? Ah bah c'est peut-être pour le jeu de mots qu'on a un viseur Recon sur la VAPR. L'ennemi n'est pas complètement con. S'il tombe sur ton détecteur, bien sûr qu'il va le détruire. Bah oui, mais là il est bien caché, non? Dans des endroits improbables. Bah là il est bien. Par exemple, lève la tête. Oui, c'est sûr que ça, voilà, c'est créatif. Hein. Et vise bien. Bien visé. Regarde, la mini-carte indique du mouvement derrière la baraque du Padre. C'est l'équipe Confiture de Paix. Encore? Mais y'a combien de team Confiture de Paix là? Ok. Bah c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'ils font la team Confiture de Paix là, hein? Ils sont que deux. C'est quoi cette mini-team là aussi? Bien, parce qu'il y a plein de gens qui lèvent jamais la tête. Oh, et en même temps, t'as l'air comme un con aussi. Nuisibles, ils ont aussi des détecteurs. Et ils te traquent là en ce moment. Les nuisibles? Quel nuisible? Trouve ce détecteur. Et explose-le. Ah, il parle de la team Confiture de Paix, je pense. Des nuisibles. Allez, hop. Bien. Maintenant, ils sont sourds, muets et aveugles. Comme au Sénat. Eh, t'as oublié de dire ça, Woods. Putain, les sous-titres sont vraiment différents parfois de ce qu'on entend, hein. Parlons et vice-versa. Applications tactiques. Protéger ses flancs avec un détecteur. Non, on voit encore le cadavre là-bas. La solution. Tu protèges tes flancs avec un détecteur. Tu gardes un œil sur la mini-carte et tu les démolis avec l'enclume. Donnez-moi une arme. Ok. Est-ce que c'est encore l'équipe Confiture de Paix? Moi je voudrais savoir quand même. Bon,
on a un certain désagrément avec cette team. C'est malencontreux, mais c'est comme ça. Par contre, s'ils viennent tous comme ça, ouais, voilà quoi. Sers-toi un verre et regarde nos gars renforcer l'autre sortie. Oh là, mais regardez-moi cette team de choc! Beaucoup trop fort. Hein. On peut pas servir de verre parce qu'on peut pas rentrer dans la cave à vin d'ailleurs, donc c'est pas super. Hein. Ils ont un peu de mal, on va les aider quand même. C'est bien d'avoir les capacités, mais ce que je veux savoir, c'est si dans l'action tu vas pouvoir. Attends. Il se passe un truc bizarre dans la cave à vin. Ah non, je t'ai. Si ils auraient pu le faire, ça aurait été un mec, tu sais, qui boit du vin, mais là non, c'est pas possible. Par contre, j'ai entendu un bruit bizarre. Hein. C'était pas méga, ah, c'est pas nous ça. Ah, mais non, c'est pas bon nous boulot, qui. En tout cas. C'est bon, pas nous qui avons fait ça. Cette bouteille de il y a autant de sang et tout là. 1961 et mal-toi de rejoindre le prochain marqueur. Non, on va vraiment prendre une bouteille en plus, c'est vrai. Non, non, non je pense pas. Hein. Mais what the fuck, pourquoi il y avait. C'était alors là, quoi, là vraiment j'ai entendu quelque chose par contre. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est quoi ce bruit en plus? Ça me dit rien. Est encore pire que le bruit. Tire un détecteur et utilise la mini carte pour le non, trouver. Non, non, me, non, 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 me dis pas que c'est ce que je pense, me dis pas que c'est un Blight Phaser. C'est pas un putain de Blight Phaser du zombie. Mais qu'est-ce qu'il foutrait là, lui d'ailleurs? Mais c'est pas possible que ce soit ça quand même. On a de la compagnie. Oh bah si, c'est ça. What the fuck? Mais d'où? Tu es le père du fléau, mais what? Ah oh bah voilà, après l'avoir eu en mode blackout, on l'a également dans l'histoire des spécialistes. Mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais, je veux bien, c'est une simulation à faire, mais qu'est-ce que ça fout là quand même? What? Ouais, oh, ça va, il est plus facile à tuer qu'en en blackout. Il est aussi simple qu'en zombie en fait. Mais what? Ouais, comme par hasard, c'est pour Recon quoi. Bah ouais, Recon c'est le meilleur, il a le droit à des. À des boss, toi, carrément. Impulsion visuelle. What? Fini le... Ouais, donc des putains. Oh, y'a des zombies! C'est pas ma guerre. Mais mec, mais. Ah, mais comme par hasard, c'est pour Recon quoi. Comme par hasard, c'est pour mon spécialiste préféré, des zombies et tout. C'est trop bien! Ah, il va y avoir que des zombies là? Mais c'est trop bien! Ah mec, y'a des zombies sur le map multi. Qui aurait pu croire ça? Moi oh, j'adore, hein. Trop bien. Et comme par hasard, c'est pour Recon, ouais, comme je le répète, c'est tellement improbable. Spécialiste préféré, quoi. Ah bah oui, là, oui. Ils vont remourir une seconde fois. Allez, on vous fait tourner les gentils zombies. Allez. Un tireur d'élite. Hélicoptère! Ils sont tous morts mes alliés d'ailleurs, oh non! Ils se sont fait zombifier! Oh les pauvres! C'est pas cool hein! Mais attends, je peux enchaîner les. Ah non, je peux en avoir que deux maximum! Oh putain, pistolet laser, trop bien! Oh non, mais là c'est trop. Mais c'est trop bien! Remettez un Blight Phaser du coup, vu que j'ai pistolet laser, s'il vous plaît! Oh mec! Mais non, mais. Mais c'est le meilleur épisode celui avec Recon, comme par hasard! Mais c'est trop bien! Genre. Non mais ils auraient pu faire ça avec n'importe quel spécialiste et quoi, comme par hasard c'est Recon, j'y crois même pas tu vois. C'est tellement peu probable. Le meilleur spécialiste a droit à la meilleure mission. Mais ouais mais ça va de soi quoi. Ah mais non par contre c'est pas l'hélico, c'est le truc avec le sniper dedans. Hein, j'ai cru que c'était l'hélico moi au début. C'est trop bien. Non, mais toutes bonnes choses ont une fin. Aïe aïe aïe. Mettez-moi des zombies pour l'escarmouche aussi, s'il vous plaît. Pas trop, Madame Irma, quand même. L'impulsion visuelle et les outils sensoriels ne sont rien sans un but précis. Le but, c'est ton ancre. C'est lui qui te guide. Suis les chiffres et aide la flamme. La porte d'Aokigahara va s'ouvrir. Aokigahara, c'est japonais ça. Alors finis-moi ça. Woods, termine. Allez, maintenant on va boire tout le vin. Hein. Allez, c'est parti, cinématique, ça va être intéressant. Faut, je l'espère, je l'espère. Le VIP est en route. Oh, il y a batterie. Localise et vise les piliers à l'ouest de la place. Contact. Homme blanc, la trentaine. Il parle à une famille. Il tient un truc dans la main droite. Merde. Fais chier. Au moins un des civils porte un gilet. Fais quelque chose. Il y a un enfant dans l'eau. Repère et attaque toutes les cibles. Foutue connerie. Je tire.
Cible à terre. Je tire. Cible à terre. Trouve l'enfant. Tire-lui dessus. Je peux pas. C'est mon enfant. Protège le VIP. Je tire. Cible à terre. Bien joué, soldat. Tu me remercies pour ça? Vas-y, regarde. C'était un test, Kimura. Et tu l'as réussi. Démonte ton fusil et range-le. Je dois te présenter quelqu'un. Oh, intéressant! On a une relation avec batterie quand même, du coup. Écoute-moi bien. Oh, les mode contrôle cette fois. Oh, intéressant ça aussi. Soit tu les défends. L'équipe qui on connaît, t'inquiète pas, même si c'est un nouveau mode, on connaît. Une zone est capturée, ah, t'es cool cette cinématique, ouais. Bon, ça nous a pas vraiment appris plus, mais si, on sait comme du coup il a rejoint les Black Ops. Doit empêcher les autres d'atteindre ses objectifs. Avec ce test encore une fois. Que des tests pour Icon. Une fois le segment d'une zone occupée, il a droit qu'à ça. De le reprendre. Mieux vaut être méthodique. Le nombre de vies est limité, des deux côtés. Une fois la manche terminée, vous échangez les rôles et les zones sont réinitialisées. Et c'est reparti, c'est clair? Ah, c'est clair, c'est plutôt clair. Allez, alors par contre, du coup, ah c'est donc cette arme-là que j'ai, le SDM. Ah oui, bon, bah oui, je m'en rappelle maintenant. Ah, bon, bah c'est parti, je suis même pas sûr d'avoir d'accessoires en plus sur le SDM, c'est ça le pire. Je sais plus si je lui avais mis des accessoires quand j'avais fait la miniature. Non, je crois pas, non, j'ai juste une mire. Bon, bah c'est parti, du coup, hein. Petit gameplay au SDM. Mire. Alors, eh bien, peut-être c'est des bots on fire, hein. Faire gaffe, hein. Toujours faire gaffe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les bots, moi je capture, hein, sinon. Prise de plusieurs zones. Je sais pas. Les mercenaires contestent. Bon, par contre, c'est vrai que là c'est le bon mode, je dirais, pour Icon quand même, hein. C'est bien adapté. Avec les détecteurs et tout, ouais. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, par contre, je suis le seul à capturer là. Hein. Que font les alliés? Que font les alliés? Moi je vais vite être limité aussi niveau balle, hein. On va ramasser, hop. L'ennemi conteste Alpha. Oh putain. Détecteur déployé. Oh, il est aux pompes. Signal ennemi. On capture plusieurs zones. Bien joué. Là il commence à y avoir pas mal de monde. Oula là. J'ai envie de mourir moi. Hop. Signal ennemi. Et on y retourne. Prise de plusieurs zones. Hop. Ah, j'ai déjà plus que 3 balles. Bon, bah j'ai bien fait d'avoir la petite VAPR. Non, ça va faire un peu chaud là. Ok, j'ai déjà l'hélicoptère d'attaque. On va pas rester traîné. Hein. Discord. Oh, MX9. Bon, MX9 qui est rapide quand même. Tranquille là, on va gagner. Moi je capture direct, je perds pas de temps. Je perds pas de temps là. C'est ça l'efficacité finalement. Qu'est-ce qu'ils font par contre à tous monter là sur le quad? C'est quoi leur délire? Je crois que les bots, c'est ils ont un problème là. Hein. Alors déjà ils spawnent tous en face et en plus. Ah bah oui, on est en contrôle en même temps, tu peux spawn kill. Ici Ricon, demande d'intervention de toi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais on peut spawn kill du coup. Ils ont l'air tous buggés, regardez, ils montent. Ah ouais, y a un bug ici je crois. Avec les bots. Bon bah spawn kill au calme hein. Bon voilà, c'est fini. Oh le bug quoi. Ils étaient bloqués, ils devaient à chaque fois escalader j'ai l'impression, sinon ils pouvaient pas passer. Bizarre quand même, très bizarre hein. Attends là, on va le voir en plus, non? Est-ce qu'on va les voir monter sur le quad? Hein ouais, regarde, mais what the fuck? What the fuck ce bug? J'aimerais aussi que ça fonctionne en partie publique, mais bon, il n'y a plus de bot pour alors, donc c'est compliqué que de vrais joueurs fassent ce genre de choses. Hein. C'est clair, c'est clair. Du coup, le Hellstorm attend. Ouais, donc je vais encore attendre un peu. On va le mettre, hein, je pense que j'ai moyen de faire full team. Il y a large moyen, non? Oh oui, oh oui. Oh non, il avait un gilet. Il avait un gilet anti-explosion. Voilà, par contre, on va devoir tous les tuer parce qu'ils iront jamais capturer, je pense. Hein. Après, on sait jamais, une surprise est vite arrivée. Donc. De toute façon, j'ai un autre hélico. Ça va y aller. Tu fais, toi. Bon, là, par contre, non, c'est clairement des bots à deux à l'heure. Hein. Eux, c'est vraiment des vrais bots de recrues. Hein. Parce que tu vois, dans l'épisode, c'était le 5ème, je crois, ou le 4ème. Là, on avait des bots de compétition. Mais là, je sais pas ce que c'est des bots en carton, là. Hein. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'est même sûrement le niveau en dessous de recrue, quoi. Ça existe pas, mais si ça existerait, bah, ce serait le niveau approprié pour ces bots-là. Parce que là, je sais pas ce qu'ils font, hein. Hop, hein. Ils ont deux tensions, ils font des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Et en plus, on peut les spawn kill. On peut surtout les spawn kill, ouais. On a plus le temps. On va être deux convois. What? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est quoi ce truc là? What? C'est quoi? Oh, c'était quoi cette grenade là? What the fuck? Éliminé. J'ai pas trop compris hein. Non! S'il arrive pas à me tuer alors que. Même pas. Non. Nimp. Oh non, la thermite par contre, non. Crash, mort au combat. Quoique, spawn kill. Spawn kill avec la thermique. Oh là, c'est abusé. Mais je suis toujours pas mort de la game, hein. Ça montre bien que c'est vraiment des bots pour avant. Wouah. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Non, je suis mort. Ce n'est plus des bots pour avant. Non, ça va pas changer, c'est toujours pareil. Hein. Ah bah oui, je pense bien, oui. Attends, on va terminer les vies d'un coup avec le Hellstorm. Ça va pas rester traîné. Ouf. Ah, il en reste 3. Je vais pas mettre du coup les bicots, hein. En place. Je sais pas pourquoi les bots étaient plus nuls aujourd'hui que d'autres fois, mais... Non, mais il y a une variation quand même du niveau des bots, hein. On le voit hein, dans les épisodes. Des fois, ils sont un peu plus chauds, des fois, ils sont complètement poivre. Hein. Comprends pas. Comprends pas. Pourtant, c'est censé toujours être des bots de recul, même si en fait, non, je suis pas sûr. Vas-y, je vais tenter le spawn kill là, du coup. Hein. Du coup, il va peut-être avoir en plus le bug de quad. Vas-y, on va tenter ça, le petit spawn kill. Du coup, attends. Vous permettez? Ou alors, je prends l'espadon. Oh non, le Koska, tiens. Oh tiens, je vais prendre le Koska. On va filer des bottes. Allez, vas-y, on va s'amuser. Ouais, on est là pour s'amuser, hein. Oh, mais j'avais même pas vu, il y a la Spitfire en secondaire dans la classe Koska. Oh, c'est nickel, ça. C'est nickel. Vas-y, du coup, je vais pas mettre l'hélico. Tranquille. Et on va essayer de spawn kill tout ça. Repérage des cibles. Détecteur, par contre, hein. On va pas déconner, hein. Hop. Ennemi à terre. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire la même encore, hein? Oh putain, elle attend. Ça m'intéresse. Vas-y, vas-y, ramasse. Ok. Ouais, c'est quoi ce viseur là? C'est un viseur hello? C'est pas un viseur hello ça. Par contre, je comprends pas ce que c'est cette grenade qui me lance là encore. Ah, c'est une. Hein? J'ai cru voir grenade acoustique, mais je suis pas sûr. Bon, je sais pas. On va mettre l'hélico par contre. Là, ça a pas très bien fonctionné, hein, mon incursion au Koska. Mais ils ont déjà capturé par contre. Oh là, ils ont déjà capturé le point B, ok. On va retenter. Et arrêtez avec votre grenade là par contre. Elle est affreuse cette grenade. What? T'as l'impression d'être dans un trip. C'est un trip. Détecteur disponible. Laissez-moi y aller. Arrêtez avec votre grenade là. Chaque fois qu'ils me tuent, c'est parce qu'ils m'ont lancé la putain de grenade. Bon, encore une fois. Hein. Hop. Les mercenaires contestent Alpha. Manœuvre ennemie. Allez, faut rentrer dans le spawn là. J'ai l'impression que ça bug au quad en plus. Non? Ouais. Enfin, oui, oui, c'est bon, ça recommence. Regardez. Recharge. Hop. Ennemi éliminé. Le petit détecteur. Non, mais genre. Ouais, oh, je suis rincé, hein. La com demande d'intervention de drone sur ma position. J'aurais dû prendre la titan thermique, j'aurais brûlé et puis basta. Attention là, ils vont capturer là mes bots alliés. Calmez-vous les bots alliés, calmez-vous. Oh là 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 là. Oh là là là. Marqueur, ça maker. Attends, Spitfire. Comme ça fait encore du rime en plus. Marqueur, Samaker, Spitfire. Voilà. On va voir l'ultime cinématique maintenant. Enfin, l'ultime cinématique de l'épisode. Hein. Relativisons quand même. Oh, attention, j'ai droit à l'action de la partie. Oulala, là là, ça déconne plus. Hein. Pam, et de 1. Pam, et de 2. Pam, et de raté. Pam, et de 3. Pam, et de 4. Voilà, ça c'est fait. Mais c'était que des bottes.
Ah, je pensais qu'on aurait un petit truc en plus là, putain, c'est toujours avec cette histoire de cauchemar là, on n'en sait toujours pas plus, hein. Ils vont nous laisser mariner jusqu'à la fin, de toute façon il reste 3 épisodes, donc on aura vite le cœur net, mais ah, et le prochain ce sera Ruine. Ah, Ruine c'est un peu l'emblème, c'est un peu l'emblème des spécialistes, tu vois, c'est un peu le représentant, donc là ça devrait être très intéressant, et peut-être même que la dernière cinématique qu'on aura pour Ruine en tout cas, il y aura enfin une révélation, parce que là, on nous laisse mariner, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. De toute façon, il reste, ouais, Ruine, Seraph et Torque pour le dernier épisode. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode, justement, vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve, du coup, bah, très très vite, hein, pour la suite, avec le 8e épisode. Allez, sur ce, bye, tout le monde. Oh, yeah.